Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo pour vous donner des nouvelles de nos abeilles au 16 octobre. Là, on est devant la planche d'envol d'Ortie et ça s'active fort, globalement, comme sur tout le rucher. Donc, on est plutôt content. Ça rentre du pollen, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la reine pond, que nos abeilles d'hiver sont en préparation. Et surtout que on a enfin une vraie miellée de quelque chose, c'est-à-dire le lierre qu'on attendait impatiemment et on va dire de manière salutaire. Voilà, donc plutôt une belle journée, plutôt content de ce qu'on voit sur la planche d'envol. Alors je profite de ce petit rayon de soleil, de cette belle matinée pour faire le contrôle au niveau des pins de Candie, puisque comme vous le savez, depuis fin août, on accompagne nos abeilles avec des pins de Candie, puisqu'elles étaient vides de réserve. Et donc aujourd'hui, je voulais changer le pin de Candie d'Ortie notamment, qui arrive donc au bout du pin de Candie. Voilà, j'ai préparé le matos qui est là. Alors au passage, ça c'est du Candie maison. Merci les parents pour le petit coup de pouce. Et avant de réaliser cette opération, je voulais faire un petit contrôle visuel à l'arrière. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous partager cette bonne nouvelle. Regardez, il y a de la réserve. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Ça, c'était vide de réserve il y a encore quelques semaines. Donc, merci le Candie, merci le lierre. Alors, on n'aime pas nourrir nos abeilles de manière artificielle. C'est la première fois qu'on le fait. C'est la première fois qu'on leur donne du Candie et aussi longtemps. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça permet donc de sauver les meubles. Et ouf, le lierre s'est rajouté quand même en plus. Donc, c'est très bien. À tel point que... Hop, Ortie a même repris les constructions. Donc là, on a des rayons assez récents à sa bosse, sa bâtie. Elles ont besoin de place. Donc, plutôt content. Ça nous redonne de l'espoir pour l'hivernage qu'on envisageait très catastrophique cette année. Alors, on aura sûrement de la casse. Mais en tout cas, on a quand même beaucoup plus d'espoir qu'il y a quelques semaines, voire qu'il y a quelques mois. Et je vous laisse sur ces belles images d'effervescence, sur ce petit moment toujours un peu sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.